Vous l'avez peut-être entendu, on a découvert récemment un nouveau système extrasolaire. La particularité de ce système, c'est que d'une, l'architecture en fait, ressemble beaucoup au nôtre. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'au centre, au lieu d'avoir une étoile comme le Soleil, en fait, on en a deux. Avec la technique phare de la maison, donc ici, on a commencé une campagne de vitesse radiale pour observer ce même système, et on a détecté un lent décalage dans le temps, trahissant la présence d'un corps sans doute planétaire, mais encore non détecté. Cette étoile fait aussi partie des plus proches de la Terre. Elle est visible, elle est même visible à l'œil nu, en fait, dans la constellation de l'Éridan. C'est assez fascinant de penser qu'il y a quelque chose d'aussi similaire au système solaire, aussi proche de nous, vraiment dans notre banlieue. Élevée à un état de conscience supérieur, non humain, elle plane au-delà des réalités de son monde. Elle n'a plus peur. Rien ne sert d'avoir peur. C'est ainsi qu'elle le découvre, ou plutôt qu'il se révèle à elle. Bien avant d'avoir recouvré la vue, elle le perçoit. Il palpite à la façon d'un grand cœur, générant une multitude d'harmoniques qui s'entremêlent pour engendrer la cadence puissante qui l'a conduite jusque-là. Elle est stupéfaite de constater qu'elle s'agite frénétiquement de gauche à droite, de droite à gauche, balançant d'un pied sur l'autre à mesure qu'elle progresse. Elle danse, perdue sous ces tonnes de neige et de glace, seule dans la nuit. Elle danse, s'efforçant d'imiter, par le biais imparfait de son corps d'être humain, cette poignante pulsation issue des entrailles de la planète. Elle me parle. Gemma me parle, se surprend-elle à penser. L'entité dont émane l'appel, dont la parole résonne dans les profondeurs. Elle veut la vénérer, l'adorer, assouvir son appétit et lui sacrifier tout ce qu'elle est. Car elle va la guérir. Elle le lui a promis. Rien d'autre ne compte à ses yeux. C'est vrai qu'étant jeune chercheur, j'avais participé à la découverte de ce système. À l'époque, il y avait seulement deux planètes qui avaient été trouvées autour de cette étoile binaire. Continuant, poursuivant ces recherches, affinant les mesures, allant plus profond dans nos images, il a fallu un développement technologique important, notamment. Un troisième point est finalement apparu dans ces images. Mais le plus faible il était, d'une certaine manière, le plus sa masse se rapprochait de la Terre, le plus l'excitation grandissait. Un corps similaire à la Terre, sur une orbite telle que ce point avait, proche d'une zone, de la zone habitable, ou dite habitable, de ces deux soleils, était extraordinaire. Donc une fois que cette masse a été estimée, son rayon, du coup, était estimable aussi, et l'éclat que cette planète présentait ne laissait présenter qu'une seule solution, elle était recouverte de glace. Et quelle n'a pas été la surprise alors d'observer des bandes d'azote et d'oxygène dans le spectre lumineux de cette planète. Tout d'un coup, ça a tout remis sur le tapis. Est-ce que ce monde avait été habité? Est-ce que ce monde était toujours habité malgré
la couche, l'épaisse couche de glace qui doit se situer à sa surface. Cet espoir de vie, ces bandes d'azote et d'oxygène qui nous font dire, mais regarde, je suis comme toi, la Terre. J'ai cette vie et je peux accueillir la tienne. En poussant l'imagination, il est vrai que c'est le seul de ces mondes aussi proche de la Terre. Et donc, bon, pour l'instant, la technologie ne le permet vraiment pas. Mais pourquoi ne serait-ce pas un de ces premiers mondes qui serait un jour exploré ?